la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Monsieur Kodjo, facilitateur refusé, vient encore d'ajouter à la gravité de la crise de notre pays en réunissant les ennemis du peuple en ce qu'ils appellent, il appelle une conférence et un dialogue. Je vous passe le secrétaire général pour vous donner la suite de mon message. Micro. Pour votre information, il y aura des lectures. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, l'heure est grave. Monsieur Eden Kodjo, facilitateur récusé, vient d'aggraver la crise politique que traverse notre pays en réunissant en dialogue les ennemis de la République. Désormais, bien identifié, qui accepte d'accompagner M. Kabila dans sa détermination à obtenir, coûte que coûte, un troisième mandat en violation flagrante de la Constitution. C'est pourquoi, par ma voix, le rassemblement, tout en réaffirmant son attachement à la lutte, à la tenue d'un dialogue véritable, crédible et inclusif, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, demande au peuple congolais 1. De rejeter toutes les conclusions qui sortiront de ce pseudo-dialogue qui est un complot organisé contre la nation pour liquider le pacte républicain conclu des hautes luttes à Sun City. 2. De se mobiliser et de participer activement aux actions de résistance pacifique décrétées par le rassemblement à partir du 1er septembre 2016. 3. De participer massivement au sit-in de bureaux de la CENI des différents chefs liés des provinces et des missions diplomatiques de la RDC à l'étranger le lundi 19 septembre 2016 afin de réclamer la convocation immédiate de l'élection présidentielle et de déposer le préavis
constitutionnelle de M. Kabila qui doit libérer la présidence de la République le 19 septembre 2016. 19 décembre 2016. Peuple congolais, le moment est arrivé où, conformément à l'article 64 de notre Constitution, nous allons devoir nous prendre en charge pour chasser la dictature, pour le rassemblement, l'alternance démocratique au pouvoir. Le 20 décembre 2016 n'est pas négociable. Faites à Kinshasa, le 29 août 2016, pour le rassemblement, le président du Conseil des sages, Dr. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous vous remercions. Alingala et à Soaï. Wanduku, wa baba, wa mama, tunasema hivi. Kwa kona vile Edem Kodjo anajantete kwa kwenda mubile bintu vile peuple congolais na rassemblement HPN par rapport à ma préalable na récusation yake tunasema hivi rassemblement itadi organisé à partir ya le 1er septembre njui ya organiser ma manifestation pacifique donc ma action pacifique njua konesha bantu wote ko peuple congolais ana mubile bintu beko nafanya na tunalomba peuple a di prendre en charge par rapport à ile ma action que tout afanya. Merci beaucoup. Lingala. Lingala. À partir ya le 1er septembre, mokolo oyo bango bazo banda dialogue na bango wana ya lukuta, peuple congolais a mis se prendre en charge sous la direction ya rassemblement oyo ezo réunir peuple nyonso simanaye. Tolobi ndenge wana pourquoi parce que a daté ya le 1er, ti le 19, mokolo préavis à monsieur Kabila ezo banda ba action ekozala simultané sur l'ensemble de notre pays. Tosengi na peuple congolais azala sima ba tchwana pona koleksa batunyoso bolongo na peuple congolais que peuple congolais a peuple naïveté tozali peuple 56 ans après notre indépendance tolingi tozwa destin na biso na maboko. Merci beaucoup. Troisième mandat. Troisième mandat, on y a terminé. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.